Quand un sous-officier entre dans la chambre, le premier qu'il voit doit crier garde à vous. Si c'est un officier, fixe. Si c'est un officier supérieur, le premier qu'il voit doit crier à vos rangs, fixe. Compris? Quelle différence y a-t-il entre un officier et un officier supérieur? Un officier tremble devant un officier supérieur. Voilà la différence. Je m'appelle Ferrassi, maréchal des logis chef Ferrassi. Appelez-moi chef. Je suis votre chef de section. C'est moi qui suis chargé de faire votre instruction. Vous apprendrez à me connaître. Les grands, je les casse en deux. Les petits, je les allonge. Un conseil, ne jouez pas au plus con avec moi, vous n'êtes pas sûr de gagner. Pas de questions? Moi j'en ai une. Qui parle anglais ici? Vous parlez bien? Pas mal. Pas mal, chef. Chef, je suis le chef. Pas mal, chef. Pas mal ou bien? Bien, chef. Comment dit-on WC en anglais? WC? Water closet. La même chose, water closet. Water closet qui? Water closet chef. Bien. Vous allez sortir de cette chambre, prendre le couloir, aller jusqu'au placard. À l'intérieur, vous trouverez un balai, un seau, une serpillière et de la javel. Vous irez nettoyer les water closet de droite. Il est 7 heures. Je veux qu'à 8 heures, on puisse y faire un pique-nique. Compris? Exécution. J'aime pas les vantards.